Voyons comment les banques réagissent face à l'exploit de Cali. Ça peut réussir. C'est trop drôle. Bienvenue dans l'un des nouveaux distributeurs CityOS de Bloom. Super, faut que j'écoute une putain de machine maintenant. Bonjour, Monsieur Johnson. En quoi puis-je vous être utile? Fais-moi une pipe et donne-moi mon pognon. Félicitations, Monsieur Johnson. Un bonus de $200 a été ajouté à votre compte. Ouais, ben moi je suis la reine d'Angleterre. Pour le vrai? Bon. Ok, j'accepte. Félicitations à nouveau. Nous vous remettons un bonus de $1,000. Quoi? Un bonus de $1,000? Eh ben, je vais pas le donner à mon ex-femme. Happy Hour, c'est parti mon kiki! Bravo Marcus, notre nombre de followers explose. Et il y en a combien qui nous filent l'accès à leur PC? Tous, c'est ça l'intérêt. Ils nous donnent l'accès et nous, on établit un énorme réseau de PC qui nous rend plus forts. Notre propre réseau informatique sur le cloud. Et les gens signent une espèce de contrat, genre j'accepte que DedSec contrôle mon processeur. Ouais, nous on est transparents. Avant même d'installer l'appli, ils savent qu'ils nous donnent accès à la puissance de leur ordi, mais jamais à leurs infos perso. Faut avoir sacrément confiance. La Silicon Valley serait prête à tout pour un niveau d'intrusion pareil. Son économie est basée sur l'exploitation de données privées. Sauf que nous, on veille sur nos followers. C'est pour ça que les gens rejoignent notre mouvement. Pour faire passer un message à tous ces technocrates. Faut être honnête, l'exploit de Cali, c'est une tuerie. Oh, ce que c'est moche. Bienvenue dans l'un des nouveaux distributeurs CityOS de Bloom. Un instant, je vérifie votre identité. Ouais, t'as qu'à faire ça. Bonjour, Monsieur Daniels. En quoi puis-je vous être utile? Tu peux arrêter de me parler, déjà. Oh là là. Félicitations, Monsieur Daniels. Un bonus de $200 a été ajouté à votre compte. Ah, putain, c'est cool. Tant mieux. Vous avez gagné. Oh la vache!
Allez, qui va se faire saccager son compte en banque ce coup-ci? Bienvenue dans un des nouveaux distributeurs CityOS de Bloom. Un instant, je vérifie votre identité. Mais... ravie de vous revoir, Mademoiselle Lee. Que puis-je faire pour vous? Je retourne, j'en sais rien. Bonne nouvelle, Mademoiselle Lee. Votre compte a été crédité de $200 dans le cadre de notre grande loterie. Moi? Oh mon dieu, c'est rien. 진짜? Oh, 알았어요. Félicitations, Mademoiselle Lee. L'échéance mensuelle de vos frais de scolarité a été prise en charge pour vous remercier de votre fidélité. 뭐라고요? 진짜 이거, 이거 장난 아니죠? 어, 미국 너무 좋은 데 가요. 감사합니다, 감사합니다. 이거, 이거 무슨 일이야? 대박! C'est juste que... tu racontes de la merde. Je vous garantis qu'il n'y a aucune chance pour que le trailer fuite. Vraiment? Vous me le garantissez? Parce qu'après ce qui s'est passé avec Unity, Syndicate, Osiris... notre sécurité n'a jamais été plus renforcée. S'il fuite, vous pouvez me virer. N'allez pas croire que je n'y ai pas songé. T'as dit quoi? Hein? Question surprise, les gars. Qu'est-ce que les sites d'actu de jeux vidéo aiment le plus? Qu'on les considère comme des journalistes? Les fuites! Ils se ruineraient pour une info exclusive, surtout si la fuite vient d'un super gros studio comme, je sais pas moi, Ubisoft. Marcus, joue pas avec mon petit cœur fragile. Qu'est-ce que t'as trouvé? Juste une piste. Le trailer d'un nouveau jeu de chez Ubi San Francisco. Je vois déjà le nombre de followers qu'on pourrait se faire. Je vais voir si je peux caser une infiltration chez Ubisoft dans mon planning. Ça va pas. Hein? Oh non. Je suis pas trop con, mais là, je comprends pas. Je fais quoi, moi? Allez, on se reprend. Alors, caricature. J'adore détraquer les distributeurs. Bienvenue dans l'un des nouveaux distributeurs CityOS de Bloom. Un instant, je vais vous de parler. Identité. Bonjour, monsieur Coleman. En quoi puis-je vous aider? Espèce de conne. Que puis-je faire? Oh putain. À ton avis, j'ai besoin d'argent. Merci pour votre don généreux, monsieur Coleman. Ça va pas à la tête, j'ai rien donné, moi. Bon, c'est pas grave, je ferai une déduction. Putain, ce que c'est long. Il se passe quoi, là? Vos activités bancaires frauduleuses ont été signalées aux forces de police. Non, attends un peu, là. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a forcément une erreur. Je suis courtier en bourse. Ok, j'ai compris. Ah,
Il se passe plein de trucs de dingue dans le dos du public. Mais ça, tu le sais bien, sinon tu serais pas là, non? On peut dire ça. Bah ouais, t'avoir avec nous, avoir des followers qui téléchargent notre appli, rendre tout ça public, ce serait peut-être bien de commencer à voir ce qui se passe vraiment. Marcus, t'as vu le trailer du dernier film de Jimmy Siska? Non, il est sorti. Vas-y. Je veux voir un pas là-dessus. Pour le voir, faut qu'on ait un pur son. Un putain d'écran, un gros canap. Ouais, t'as raison. Et le silence absolu. Tu l'as déjà vu, toi? Bah non, mec, je t'attendais. Oh, mais comment t'es trop cool. Ok, tout le monde, on va mater le trailer, alors fermez vos gueules. Vos gueules. Dans un monde entièrement connecté par la technologie, mon boulot, c'est pas la justice, bordel. Un homme sillonne les autoroutes de l'information. En quête d'une cyber-justice absolue. Ce que je veux, c'est la cyber-justice. Une simple ligne de code suffit à détruire ce monde. Comment ça va être cyber, tout pourri? Cyber Driver. Balance l'attaque codée, sup. Jimmy Siska est... Pas le choix, les trollers. Vous venez ou vous crevez. Devon von Devon. On doit mettre ces hackers à l'abri et vite. C'est pas des hackers, Devon. C'est juste des bidouilleurs. Hé, hey, la voiture a parlé. Eh ouais, c'est pas la smart car à ta mère. La prochaine fois, il nous faudra un firewall encore plus haut. Cyber Driver. Sérieux, comment c'est badass? La voiture qui parle, franchement, Josh, elle est pas stylée. Vous savez ce qu'on va faire? Une version modifiée de ce trailer. Et... cette bagnole va nous aider à le faire. Sérieux? Ça nous rapporterait un max de followers, ça? Josh et moi, on va au studio récupérer le script. On fouille un peu, histoire de voir s'il n'y a pas d'autres conneries en rapport avec Dead Sect, et puis on cherche la voiture. Ok, mais c'est quoi le deal? On leur envoie un avertissement? Non, il faut pas faire ça, ils vont booster la sécurité. Non, non, laisse-les faire. Stresse pas, mon petit. C'est nul. Les films de hackers, ça se fait hacker. Studio HMP. Nous vous tenons unique responsable de l'horreur que Cyber Driver. Les cascades ringardes et les dialogues vides, admettons. Mais insulter notre intelligence, alors ça, on ne vous le pardonne pas. Vous n'avez pas la moindre idée de ce quoi les hackers sont capables. Vous ne voulez pas apprendre? Nous allons venir vous enseigner. L'opération Hack and Run est lancée. Vous allez connaître la vraie force des hackers. Nous sommes Dead Sec. Yo, on vient voir un artiste à l'œuvre? Je te laisserai regarder quand je ferai mon numéro. Si tu veux voir de l'art, c'est moi que tu devrais regarder travailler. Ah ouais? Et Luc, il était sur le dos de Yoda? Je crois pas, non? Moi, je serais plutôt du style Lando, propriétaire du Faucon Millenium, patron de la Cité des Nuages, destructeur de la deuxième étoile noire, moustache de beau gosse. Moustache de vieux beau gosse, ouais. Mais moi, c'est plutôt Chewbacca. Il arrache des bras, il défonce en mécanique, et il a plus de poils que dans un porno grec des années 80. Je vois. Ah, tu veux voir? J'ai encore des cassettes, si tu veux. Bah, non, ça ira. Marcus, ce que t'as sous les yeux, là, c'est le début d'une nouvelle ère pour DeadSec. On va leur renvoyer leur putain de script dans la gueule. L'exposition va être énorme pour le groupe. Tu m'étonnes. T'es arrivé pile au bon moment. Tu sais, c'est pas souvent qu'on fait des opérations comme ça. Ouais, ça annonce peut-être du changement.
pensais vraiment que ce film allait être bien. Bah ouais, pour se marrer, on peut pas rêver mieux. T'avais dit cool. T'es sûr que j'avais utilisé ce terme-là? Voilà ce qu'on sait, Josh. Cyberdriver va sûrement être une cybercatastrophe à 1 million de dollars. Tu peux arrêter de prononcer ce mot, s'il te plaît? Ah, ça va, on rigole, fais pas ton cyber rabat-joie. Pourquoi Galilei a accepté que son nom soit terni? Tu veux dire cyberisé? Oh, tu peux insister, tu sais. Ça me fera jamais rire. On va pas se mentir. Si c'est ça les scènes qu'ils ont choisies pour le trailer, le reste du film va être carrément naze. Mais je me demande quand même pourquoi ils ont choisi de cibler DeadSec. Bah, l'affaire de Chicago, c'était pas rien. Pas faux. Enfin bref, peu importe. Toi et moi, mec, on part à fond sur l'autoroute de l'info et on va faire régner notre cyber justice. T'inquiète, Josh, on va s'amuser. Et promis, je dirai plus jamais le mot cyber. Tu sais, une fois qu'on aura fini, le cyber monde ne sera jamais le même. Nous y voilà, les studios de Hook Motion Picture. Enfin mis à la rando. Ouais, ça fait du bien. Cela dit, l'air est un peu pauvre ici. T'as ton inhalateur? Oui, bien sûr. Et t'as bien pris ton bob? Fais gaffe à l'insolation. Merde, j'ai oublié le chapeau. Jean-Kévin, t'as pas oublié ton écran total? Ah ça oui, je suis tartiné de la tête aux pieds. Et l'anti-moustique? Je crois que ça fait une réaction avec la crème solaire. Ça me gratte. Et ton lait de soja au cas où tu te perdes dans la pampa? Ça va, je suis pas à Bornéo non plus. C'est chouette que t'ailles au contact de la nature. Loin de toute civilisation, loin de tout ce tumulte. Je boirais bien un chai latte. C'est bon les gars, je suis entré. Je vais vivre à Auckland. T'en es ras le cul du centre-ville. Cette ambiance bobo. Ok, qu'est-ce qui se passe? Allez en place! Alors, elle baisse les yeux et Devon Von Devon entre en scène. Putain, mais c'est une blague ou quoi? Ne bouge plus, je n'hésiterai pas. Ouais, c'est ça. Parfait. Et là, Devon dit... Putain, c'est qui m'a envoyé ça? C'est la faute de Siska. Il a pas arrêté de disparaître pendant le tournage. Pas mieux d'attendre, Siska. Putain, c'est trop sérieux! Vous avez
Hey! Un intrus! C'est le plan! C'est un facteur! Ok, du calme! Et voilà. Cool. Les mails top secrets. Sergent, je l'ai perdu. Quoi ? C'est bon, je l'ai. On a carrément tout le script de Cyberdriver. Et pour la voiture ? Je crois pas qu'elle soit là. On la trouvera. Bon, j'y vais, moi. Les gars, je viens de tomber sur un mail qui dit que la voiture est en cours de livraison. Mais ça dit ni où, ni quand. C'est pas grave. Je crois que j'ai un plan de secours. Marcus, je connais un paparazzi qui sait où se trouve la voiture. Il t'attend. On lui donnera ce qui l'intéresse parmi les mails qu'on a chopés. Il m'a dit qu'il était OK. Attends, tu connais un paparazzi aussi ? Non mais sérieux, il y a quelqu'un que tu connais pas ? Je suis sociable. C'est tout moi, ça. Si tu veux savoir où est la voiture, t'as intérêt à me filer du gros, mec. Gros genre Jimmy Siska et Nelly Shire ? Ils couchent ensemble ? Je le savais. Voilà, ça c'est du sérieux. Compte sur moi.
Cool. Super cool. Ok, je t'ai envoyé l'itinéraire GPS de la voiture. C'était quoi ça? Ici centrale, tenez-vous prêts. Les cibles potentielles ont été signalées près de votre position. Activation. Vérification du système. Trop cool! C'est parti! À toutes les unités, on recherche un véhicule volé au studio de cinéma. Présence potentielle d'un criminel près de votre position. À vous. Tu sens bien le Fast, là? Moi, je sens le Furieux, surtout! S'approche de la position du suspect. Vous n'êtes pas autorisé à conduire ce véhicule. Ah ouais? Bah je m'autorise là, t'as vu? Wrench, t'as entendu ça? Elle parle, la bagnole! Merde, je l'ai perdu! Une voiture de patrouille s'approche de la position du suspect. Centrale, vous pouvez vérifier un truc? Il tourne un film ou quoi? Continuez de chercher, faut qu'on le chope. Ok, c'est bon. On se retrouve au garage. Ça va, pas de soucis. Votre visage est trop sombre pour mes capteurs. Quoi? Hé, bitch, je suis black et je suis fier, moi. Dis plutôt à tes capteurs de se recalibrer. Aucune référence pour Black.
Ah bah ça, ça m'étonne pas. Préparez-vous à traverser une zone de turbulence. Accroche-toi bien au siège, Devon. Toi et moi, nous allons enflammer les rues. Hé hey, c'est dans le film de Siska, ça, non? Hé, hey, Range, t'as entendu ça? J'ai grave de la nitro dans mon carburant. Attends, quoi? La bagnole vient juste de sortir une réplique du film. Ouais. Oh, c'est pas possible, c'est trop cool. Mon nom, c'est Devon Von Devon, biatch. Vous n'êtes pas Devon. Devon Von Devon est sexy et bronzé. Et pas vous. Ah, déconne pas. Je suis quand même carrément plus bronzé qu'un mec qui s'appelle Von Devon. Ils ont même pas pensé à un capteur pour Black chez Galilée. Mes créateurs ont vraiment pensé à tout. Ben, apparemment pas, non? Sérieux, cette bagnole, c'est un truc de fou. Galilée s'est bien démerdé en faisant payer ce machin au studio. Ce machin, tu l'as entendu parler? Non. Ça va au-delà de la reconnaissance vocale. Ok, les procédures de script sont améliorables, mais les réponses sont ultra pertinentes. T'imagines tout le boulot que ça a dû représenter? Galilée parlait d'apprentissage artificiel pour leur sonde martienne, mais je pensais pas qu'ils étaient aussi avancés. Quoi? Oh merde! Oh, c'était toi! Je n'approuve pas que vous me conduisiez, Marcus. Vous n'êtes pas aussi bronzé que Devon Von Devon. Ouais, trop de punchline pour une voiture qui parle. Wouh! Toute belle et toute brillante. Donc en fait, elle parle pas? Bah, elle fait. Ça compte ça? Tu sais quoi? Pas chier en fait. La voiture est conçue pour des commandes autonomes, mais il n'y a rien de programmé ou de calibré. Il y a du potentiel, mais c'est pas optimisé. Pas mal. Ah, tu vois, c'est comme ça qu'il faut penser. Positif. Non, elle est juste débile. Alors c'est ça le plan? Réparer une smart car qu'une agence spatiale a foiré? C'est un problème? Non, je m'en occupe. Le 6 a la meilleure histoire. Le 7 a le meilleur gameplay, mais le 6 les défonce tous. Meilleure histoire. Et Retro, quoi de neuf? Je glande, tu vois. Et toi? Je pensais trouver mon cousin ici, mais il n'est pas venu. On a peut-être quelque chose pour Dead Sec. Ah ouais? Vas-y, je t'écoute. Il achète sa bœuf auprès des anti-choux depuis des années. Et du coup, il est devenu pote avec certains. Il les a entendus parler d'un deal avec les Bradva pour faire passer de la marchandise. Je suis pas sûr que ce soit le délire de Dead Sec, ça. Non, mais attends. D'après lui, c'est pas de la drogue cette fois-ci. C'est des êtres humains. Ah ouais, carrément. Bon, comment je fais pour en savoir plus? Je vais t'envoyer l'adresse de l'endroit où traînent les Auntie Shoe Boys. Quelqu'un pourra te renseigner là-bas. Hey, ça va? C'est compris. Je viens d'entendre parler d'une sorte de rendez-vous d'affaires entre les Choux et les Bradva. Pourquoi tu veux mettre en colère deux organisations criminelles en même temps? Parce que les justiciers, c'est la classe. L'opinion publique est assez partagée en ce qui les concerne. Non mais pour le public de Dead Sec, plus on embête les méchants et les criminels, plus on gagne de followers. C'est mathématique. Ça me paraît plutôt logique, ouais. Bon, je vais rendre visite aux Choux et je vais voir ce que je peux trouver. Quoi? Tu veux pas me croire? Ça y est, c'est parti. Pourquoi tu me prends jamais au sérieux? Pourquoi faut toujours que tu doutes de ce que je dis? Hein? Tu fais chier! Ok, je regarde sur Noodle. Ça y est, tu me crois maintenant? Ah ouais, t'as raison. Les ornithorynques, ça pond des œufs. Quand même!
s'est pas passé grand-chose depuis ton dernier appel. Ouais, moi non plus. Tu veux qu'on se parle plus tard? Non. Pourquoi? Tu veux pas me parler? Si, si, mais là, j'ai rien à dire. Hé, tu crois que ça marche plus, nous deux? Ben, la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était il y a 5 heures. Et il y a rien qui nous est arrivé depuis? Oh, on devient carrément chiant. Non, ça... ça doit être le boulot. Bon, allez, je te laisse, je t'aime. Moi aussi. On s'appelle, hein, et on se raconte. Ça pourrait m'être utile. Les gars, DedSec a déjà eu affaire à Farmington ? Farmington ? Non, pourquoi ? Aucune idée. Mais on dirait qu'ils virent systématiquement les employés qui s'intéressent à nous, même de loin. C'est forcément illégal. Je vais aller faire un tour dans une de leurs pharmacies, voir si je peux accéder à leur système, essayer de trouver ce qu'ils veulent cacher. Pendant que tu y es, j'ai quelques ordonnances à renouveler. C'est au nom de Josh, hein, bien sûr. Tu me piques des médocs. Non, bien sûr que non. Bon, oublie ce que j'ai dit. Les gars, mon téléphone vient de se faire infecter. Non, c'est pas possible. Surtout que c'est Josh qui l'a sécurisé. Désolé de te contredire, mais là on dirait que c'est le virus zombie 2. T'es au courant de qui l'a conçu le premier virus zombie ? Haddock. Ouais. C'est qui ça, Haddock ? Une véritable légende. Ce type divulguait des contrats gouvernementaux avec des sociétés de sécurité privées quand on était encore à l'école. Ça fait 10 ans qu'Haddock n'a plus fait parler de lui. Mais s'il est de retour, c'est la méga classe. Et il fait quoi le virus ? On dirait qu'il est entré avec une fausse mise à jour de CityOS mobile. J'arrive à voir certains téléphones qui ont été infectés avant le mien. Je pourrais peut-être identifier la source si je remonte cette piste. Je me demande bien ce qu'il recherche, Haddock. Tu peux isoler le virus sur une machine virtuelle ? Ça me ferait bien plaisir, oui. Vas-y, balance. Séquence montage. Allez les gars, on allume! Voilà! Oh, et merde! Josh!
Maintenant, on est bon. Allez, Marcus, saute! L'eau est bonne! Prêt à tout déchirer? Les trucs cool, c'est toujours pour toi. Toi-même, tu sais! Ouais. Bon, ok. Tout est prêt. T'es prêt? Attention. Partez! Tu sais ce qui manque? De l'ambiance. Attention les jeunes, je ne suis pas la smart car de votre mère. À toutes les unités, nous prenons en chasse un véhicule. Celui de Cyberdriver. Je répète, véhicule correspondant au signalement de Cyberdriver. J'aurais pas dû mettre sa réputation en danger en collaborant avec le studio. Tout va bien, et tu sais pourquoi? Non, Citara. Pourquoi? Parce qu'on va les frapper là où ça fait malware. Ça a commencé tout doucement, et puis boum, ça a pas arrêté de monter. Comme quoi, c'était une bonne cible. Ouais. Vraiment. T'es pas d'accord? Si, si, bien sûr, y a qu'à voir les chiffres, mais... Je sais pas, c'est... Qu'est-ce qu'on fait, maintenant? De sérieux, je veux dire. On vise plus gros. Voilà, c'est ce que je pensais, moi aussi.
vous regardez, là. Je sais, ouais. Ça fait un peu youlose.com. La chaîne des gens qui font pitié, pas vrai? Ouais, c'est eux. Honnêtement, regardez-les. Ils ont même leur propre marque. Je les suis depuis leur première incursion sur notre serveur. Putain, arrêtez de me gueuler dans l'oreille. Utilisez plutôt votre voix intérieure. Enfin bref, il n'y a plus qu'à donner le signal. Nous sommes en relation avec Humanoid Zulu. Au cas où la situation, on arriverait à l'étape des dégâts collatéraux. Ils seront discrets. Marcus, ces enfoirés de New Dawn ont supprimé notre vidéo de recrutement. Je le crois pas. Ouais, ça m'étonne pas. Le bêtisier de Jimmy Siska? Oh non, dites-moi pas que c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Passe au hackerspace quand t'auras une minute. Ok. Hé hey Marcus, j'ai quelque chose à te montrer. Je vais aimer ou pas? Écoute, je dirais à 30 contre 1 que non. Bon bah autant s'en débarrasser tout de suite alors. J'arrive. Marcus, t'as jeté un œil à notre nombre de followers récemment? Ça avance petit à petit. Les gens doivent comprendre les vraies intentions de Bloom, Marcus. Plus le temps passe, plus ils font confiance au CityOS, et évidemment, plus ils s'habituent au système. Et c'est là que DedSec passe pour une bande de conspirationnistes. Si on dit la vérité, mais que tout le monde refuse de l'entendre, au final, tout ça, ça sert à rien. Ouais, mais c'est que le début. Quand on montrera tous les trucs pas clairs qui se passent chez Bloom, les gens arriveront par milliers. Sérieux, Marcus? Tu tortures encore les banquiers, là? Je suis accro, j'y peux rien. Bienvenue dans l'un des nouveaux distributeurs CityOS de Bloom. À l'instant, je vérifie votre identité. Vas-y, esclave du capital, scanne-moi la face. Bonjour, monsieur Suarez. En quoi puis-je vous être utile? Félicitations, monsieur Suarez. Un bonus de $200 a été ajouté à votre compte. Ok, je le prends, ton sale fric. Félicitations. Nous avons ajouté 5000 actions Noodle à votre portefeuille. Noodle? J'ai même pas de... Mais attends, combien d'actions t'as dit? 5000 actions. Ok. Thank you.
Allez, on va s'amuser à faire flipper les banquiers. Non mais Carole, comment est-ce que tu veux qu'ils sachent que ça vient d'une pâtisserie? Je suis une excellente cuisinière, tout le monde le sait. Bienvenue. Carole. CityOS de Blue. Ouais, désolée, je suis à la banque. Hey, coucou la machine. Carole, il s'est déboîté le pouce. Non, mais je dis juste qu'il n'est pas bien surveillé, c'est tout. Bonjour, Madame Kwon. En quoi puis-je vous être utile? Et si c'était toi qui faisais les gâteaux pour la kermesse de l'école? Mais non, Carole, pas toi. Mais ils sont tous comme ça, Carole. Ils en ont sur les mains, dans les cheveux. Qu'est-ce que tu crois? Et alors? Elle pense qu'elle veut, cette conne. Pourquoi? Je sais, c'est quand même dingue, non? Mais non, je dirais rien, t'inquiète pas. Félicitations, Madame Kwon. Le versement de $200 sur votre compte est confirmé. Hein? Sérieux? Mais j'ai pas fait de versement. Carole, le distributeur vient de m'offrir $200. Mais non, je me plains pas. Cool. Merci, Madame Kwon. C'est Attends, tu rigoles? Là, je vais au pressing, au yoga et après à l'école. Ils essaient de rentrer dans la tête. Je les comprends, après tout, c'est leur job. Tu es censé faire quoi, moi? Ma prime d'assurance augmente sans raison. Et tous les mois, c'est pareil, t'as entendu? Tous les mois. Tous les mois et sans raison? J'ai appelé Provide Blue, mais ils ont noyé le poisson. Ils parlent d'une clause de risque. Une clause de merde, ouais! Et la même chose arrive à plein de gens que je connais. Saloperie d'assurance! Y en a un de vous qui est assuré par Provide Blue? Non. Moi, j'ai piraté le système de sécu pour être couvert à 100%. C'est quoi une assurance? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait, Provide Blue? Apparemment, ils rackettent leurs assurés avec une clause de risque. Ça me semble être une bonne raison pour aller fouiller dans les serveurs de Provide Blue. Ça ira plus vite si j'ai le bon mot de passe. J'essaie de te trouver un de leurs employés dans le coin. Et voilà, un gars de l'informatique. Il l'aura forcément. Ah, j'adore ça, pirater les distributeurs de billets. Pas toi? Ah, comment c'est trop bien! Chérie, je suis entré. Bienvenue dans l'un des nouveaux distributeurs CityOS de Bloom. Un instant, je vérifie votre identité. Comment ça? Tu me reconnais pas? Tu regardes pas la télé? Bonjour, monsieur Franklin. En quoi puis-je vous être utile? Ça y est, t'as retrouvé tes esprits? Allez, à boule la thune, poupée. Félicitations, monsieur Franklin. Un bonus de $200 a été ajouté à votre compte. Waouh, et pourquoi? Juste parce que je suis un beau gosse? Ok. Félicitations, vous êtes le 1000e utilisateur de notre service. Nous vous offrons... Oh! Attends, ça y est, j'ai capté. J'ai capté, vous êtes en train de me faire une blague pour la télé? Où sont les caméras? Le hack de Kali pour les distributeurs, c'est un vrai succès. Elle a du potentiel, cette fille. À mon avis, on peut ajouter sa création à l'arsenal de DedSec. Marcus, c'est quoi ce petit truc dans ta voix, là? Ça, c'est du respect. Il est amoureux. Ouais, ça l'intéresse pas. Apparemment, mon moi bourré lui aurait déjà demandé. Ah ouais, c'est vrai. Gros vent.